Bonjour, bienvenue pour cette continuité pédagogique qui est assurée pendant le confinement. Je suis le professeur qui fait le clown et je vais assurer les cours désormais. Mais rassurez-vous, ça ne devrait pas durer très longtemps. Enfin, du moins, on l'espère. Tout d'abord, le confinement. Le confinement, eh ben, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est sans odeur. Sans odeur, pas de crotte, pas de crotte, pas de chien. Pas de chien, pas de poil, pas de poil, pas d'épilation. Donc, pas de poil. Donc, voilà, donc... Confinement égale pas d'épilation. On va faire la récré tout de suite peut-être. Hein. Voilà, alors, avant la récréation, nous disions donc confinement égale apprentissage. Alors, commençons tout de suite l'exercice du jour. Ah, l'exercice du jour, le voici. Alors, quelle est la vraie phrase? Ça va ou ça va? Prenez votre temps. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, nous allons régler le problème. Tout d'abord, ça, écrit comme ça. Ça est un pronom appelé pronom démonstratif. On utilise ça lorsqu'on peut le remplacer par cela. Ça, cela. Exemple, ça marche devant un verbe. Ça marche devant un verbe. Ça marche devant un verbe. Cela marche devant un verbe. Cela, cela. Oh, oh, regardez, je fais un C. Je fais un C avec mon doigt. C, ça va. Et on n'oublie pas la cédille. Ça, écrit comme ça, mais ça, S-A, c'est un adjectif possessif. Oh, je possède. On utilise ça lorsqu'on peut le remplacer par la sienne ou par C-S-E-S, par exemple. Exemple, il mange sa pâtée. Il mange la sienne de pâtée. Donc ça, S-A, la sienne, ça. D'accord. Ah, au fait, il y a encore un problème avec ça, CCDI, A, avec un accent. Alors ça, c'est un adverbe de lieu, et de nos jours, on ne le retrouve vraiment que dans l'expression « ça et là ».« Ça et là ». Expression que nous utilisons énormément. Allez, il est de l'heure donc de la réponse à la question du jour, du coup. Quelle est la vraie phrase? Ça va ou ça va? Vous avez compris par vous-même, oui. Là, voilà. Quelle est la vraie phrase? Eh bien, c'est ça va. C-C-D-I-A. Va. S-A-V-A n'existe pas. Et ne me faites pas croire que c'est plus vite fait d'écrire. Vous avez un clavier sur vos smartphones. Quand même. Vous n'utilisez plus des téléphones d'il y a 20 ans. Travaillez pour la prochaine fois. Quand même ou comme même. Voilà, vous me ferez deux pages. Et puis, le petit bonus SMS. Alors ça, vous l'attendez. Parlons SMS. Purée, mais c'est comme le verlan. Mais qui utilise encore le langage SMS de nos jours, quoi? Ça a été fait il y a 30 ans. Bon, laisse tomber. Attention, TK veut dire ne t'inquiète pas, mais ça veut dire aussi télékinésie. Alors faites attention, soyez précis. Par exemple, chez vos héros, les X-Men. Et oui, tout à fait. Regardez dans cet extrait, par exemple, nous voyons Jean Grey qui est en train de dire « J'ose pas toucher à ses paupières avec ma TK ». TK, elle utilise TK pour dire télékinésie. Voilà, c'est écrit TK. Alors, ne confondez pas, ne t'inquiète pas, et télékinésie. Soyez précis lorsque vous écrivez, ou alors écrivez-le complètement, parce que sinon, ça donne des choses... J'ai un problème de barbecue, j'ai peur que tout flambe. Envoie. J'espère qu'elle va se manier quand même. Ah, TK. Quoi, TK, faut que je fasse de la télékinésie? Comment ça, t'as vachement chaud quand même. Voilà, c'était la continuité pédagogique. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine de confinement. Un bon mois de confinement. Écoutez, je vais peut-être prendre vos inscriptions pour l'année prochaine directement, ça sera mieux, hein.